On dit ça, c'est un certificat que ça? Certificat côté jugement, qui est pas greffe la délivré, qui dit que jugement est campé dans la phase citation des témoins. D'accord. Johnny Alexandre, c'est un policier 14e qui a arrêté 4 décembre 2011. Donc, nous connaissons, et ceci a arrêté 4 décembre 2011 avec un copie de plainte dans un commissariat, donc sans mandat. Donc, depuis 4 décembre 2011, Johnny a passé un péripétie dans la prison. Donc, Johnny était pour un premier jugement dans le tribunal de première instance dans Port-au-Prince, côté que dans moins que 3 ans, il a condamné la perpétuité. Donc, les avocats font ce qu'ils doivent aller en cassation. Donc, cassation a annulé le dossier. Il dit que le dossier a été gain fraude. Le jugement n'a pas bien fait. Vous voyez sous juridiction quoi des bouquets. Donc, quand il dit la toi qu'a fait, quoi des bouquets, mon qui peut recevoir là, il pas venir recevoir dossier. Donc, après que l'avocat allait auprès de l'autorité pour demander ce qui s'est passé. Donc, l'avocat a venu rencontrer avec le substitut commissaire Saint-Loménéis, Jean-Saint-Loménéis. Il dit, mon cher, dossier ça, son dossier qui gagne l'argent. Donc, il dit, monsieur, son monde qui gagne monde à l'étranger, qui gagne diaspora. Donc, son dossier qui doit fait pour COP. Les avocats ont négocié ensemble avec elle, Metal Tenor, Fritz Tenor, négocié avec elle. Ils finissent par entendre qu'il a libéré Johnny pour 20 000 $. Elle me dit 20 000 $, nous comprenons, c'est 20 000 $ américains, et pas 100 000 $. Et nous, même dans la famille, nous connectons, nous payons avocat 7 000 $. Nous payons avocat 7 000 $, avocat pour tes cobles à bail, commissaire. C'est par la suite, commissaire, recevoir dossier et ensuite il voyait acte d'accusation by Johnny pour la juger. Pour la juger dans mercredi qui a 10 avril 2019. Là nous même allons nous expliquer Johnny, nous dit Johnny mais qui ça n'a fait? Parce que quand on a des moyens, c'est ça n'a rien à vendre juste pour nous capable prendre petit cobla pour capable libérer. Johnny dit tant pis. Pas entrer dans ce chemin ça parce que lui même il va tuer monde, il va faire kidnapping. Donc, il n'a pas fait rien qui mal. Donc, il a arrêté que la justice tranché. Les Johnny dit ça, nous-mêmes, nous, c'est Valette, nous ne pas mettre. Pas oublier Johnny, c'est famille, nous, c'est Dick dans la prison. Nous allons aller côté avocat, nous dit avocat, Johnny pas d'accord, nous ne pouvons pas être là. Dans mercredi 10 avril, jugement, t'as pas le fait. Nous avons rendez-vous pour nous venir avec 13 000 $. Jugement commencé. Le jugement a commencé, le jugement arrivé dans la phase citation des témoins. Si nous permettons, je suis capable de montrer nos certificats pour que le greffe soit délivré, que le jugement arrivé dans la citation des témoins. Le commissaire a demandé à l'avocat, côté Rescob. L'avocat a dit ah. Et l'avocat a dit Johnny n'a pas voulu faire Rescob. Il dit qu'il n'est pas de pour libérer. Le commissaire a répondu, il dit, avocat, malheureux pas jugé dans le tribunal quoi des bouquets. Il dit, monsieur, elle mettait le dossier le propre pour être capable de retourner et faire jugement dans mercredi cap 16. Puisque Johnny n'a pas de baïkop là, et famille n'a pas faire autrement que passer plus haut que Johnny. Kobla babay. Depuis le mercredi, qui t'a pris le 16 avril 2019, là, à nos jours, pas de rien qui fait dans le dossier. Les avocats, ont marché monter descendre dans le tribunal, premier instance quoi des bouquets. Eh bien, dans des machos, c'est garder, ouais, dossier ça, il manquait en pile pièce. Mes amis, la presse nous comprend. Un jugement qui commence à fait, qui arrive dans la phase des citations des témoins. Je dis, pour le commissaire a dit, le César t'es manqué. Le César n'a pas de complet. Je ne peux pas comprendre. Donc, nous-mêmes, je dis, étant que famille, Johnny, Alexandre, nous demandons la presse en coup de main. Parce que nous connaissons. La police, c'est auxiliaire la justice, par contre, si je me trompe, ça veut dire que vous avez travaillé pour l'autre. Si Johnny est un policier lié,
Donc la justice a arrêté. Donc on demande tout comme ça pour libérer. Donc, et nous mêmes journalistes et professeurs l'école yo. Ces peuples là les mêmes. Donc je dis à nous mêmes nous mettez voix nous bien haut pour nous dénoncer genre de comportement ça yo qu'a fait dans le système judiciaire. Spécialement dans le tribunal première instance quoi des bouquets parce que Saint-Loménéis étant qu'un substitut commissaire gouvernement on capable dire presque tout le monde pèle dans quoi des bouquets. Si il y a au moins 3 4 juges qui pas pèse Saint-Lô mais après ça tout reste pèse chez Saint-Loménéis étant qu'un baron dans le tribunal première instance quoi des bouquets. Donc j'aime dire là aujourd'hui n'a demandé avec ministre justice là n'a demandé avec premier ministre là n'a demandé avec CSPJ tout organisme doit de l'homme yo pour que yo capable voyager sous dossier ça pour que yo capable permettre à ce que jugement qui te commencé à jugement fini si Johnny coupable qu'elle subit peine ni mais si Johnny pas coupable tout que la justice tranché pour Johnny Alexandre capable libérer qui ça reproche même ça reproche Johnny reprocher c'est tout dernièrement m'attendé dans émission matin débat côté que nous-mêmes nous t'ai fait de devoir nous t'a dénoncé et commissaire Saint-Loménéis t'ai bail droit de réponse qui dit que c'est pour question assassinat c'est pour question crime t'a arrêté Johnny donc ça moi-même pas de connel donc c'est commissaire gouvernement substituant qui t'a dit ça dans émission matin débat. Là, qui assassinat contre qui est subi arrestation ça. Pardon. Là, qui circonstance était subi arrestation. Donc circonstance était subi c'est pendant il était t'a monté sous Delma, j'aime dire là, yo arrêté avec une machine la police. OK. Sans mandat avec une copie plainte qui était déposée dans un commissariat. C'est ça qui est en fait là. C'est ça qui est en fait là. Plainte qui était arrêté là. Donc moi c'est avocat qui est là. Na ki ko e citoyen sa te afekte? Na. Ko police na police pou 14e administratif. Administratif. Ki gen madame li gen petit? Oui, monsieur gen madame li gen 3 ti moun. Ape nou non monsieur? Johnny Alexandre, Johnny Alexandre. Achan ki achan. Après fonction de la police sa, te gen lòt bagay te kon mene? Non, pa. Ya civil ou en civil, avec une machine de la police. Et quand il a Johnny en prison, comment il t'a soutenu? Donc, on est un homme qui est en prison depuis tout le temps. Donc, je dis à faire Johnny 11 ans, 9 mois, 2 jours en prison. Donc, on va plus demander. Donc, c'est un homme qui est vraiment stressé. Donc, moralement, mentalement, il ne se pas bien. Rappelez-vous de la date de l'arrêté là encore? 4 décembre 2011. Nous toujours là? Oui, nous toujours là. Donc comme ça nous était en versé et commissaire là pas mettre nous là non il va remettre lui comme là dans mail et puis Johnny dans a couru des barreaux $7,000 alors qui dans mail mais il demande américain mais il demande $20,000 pour être capable de libérer en résumé avec avocat nous qui se met Fritz Altenor en résumé nous même famille Johnny qui ça n'a demandé aujourd'hui pour ça n'a demandé aujourd'hui donc nous pas capable passer la justice Lord. Donc nous même n'a demandé que autorité étatique prenne responsabilité pour que jugement qui était commencé à qui vient en phase citation des témoins que jugement continue que jugement fini. Alors dis nous il y a 11 ans en prison dans 11 ans 9 mois 2 jours. Mais pour ça citation des témoins ça. Donc le arrêtou donc si c'est une plainte déposée pour c'est qu'il faut qu'il y ait des témoins qui viennent témoigner qui dit soit oui ou fait mais soit ou pas fait. Donc c'est dans phase ça au début. Elle a été arrêtée dans le dépôt de la machine. Oui, pour contre la machine. La machine de la police. Appelez-le nom policier. Johnny Alexandre.